On entend beaucoup, beaucoup de sons électroniques ici, qui finalement se ressemblent toujours un petit peu. Donc là, j'ai trouvé que ça sortait un peu du lot. La musique électronique, la vidéo, les images rapides. Je pense que c'est un bon médium pour toucher le public local. Ce qui est amusant, c'est de voir comment donc des Français voient quelque chose qui est asiatique et viennent le présenter dans un pays qui se dit profondément asiatique. On est littéralement happé par et c'est la musique en fait qui nous entraîne, je suis sûre, le rythme, la façon dont c'est construit, qui entraîne inévitablement un spectateur à basculer dans ces écrans géants. Et à tomber littéralement sur les lieux. Enfin, moi, quand je suis sortie, je tremblais, j'arrivais pas. Je me demandais comment est-ce que je pouvais me retrouver dans une salle de spectacle alors qu'un instant avant, j'étais ailleurs. On se sent très proche des images. Je veux dire, comme la caméra a l'impression d'être invisible. Ça joue beaucoup dans la force des images. Donc ça, oui, complètement spécifique au spectacle. C'est si grandissant. Évidemment, c'est quelque chose qui se passe de mots, complètement. Un quelconque commentaire là-dessus briserait tout. Le charme disparaîtrait instantanément, c'est évident. C'est un spectacle qui est fondamentalement sur l'émotion, la perception immédiate, c'est les sensations immédiates. Évidemment visuel, sonore, c'est pratiquement physique. Ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est d'avoir ces enregistrements de sons de musique ethnique, d'avoir su les poser exactement sur de la musique électronique. Mais j'ai jamais entendu ça ici. On plonge littéralement et donc on bascule dans cet autre monde et on est emporté dans ce voyage extraordinaire et c'est évidemment une expérience qui est extrêmement forte. Il y a cette dynamique à la fois évidemment de la musique, de tout ce qui est aussi capture de son sur place, etc. Et puis une dynamique de l'image et tout ça appuyé superbement par les lumières parce que au-delà de tout ça, il y a aussi les effets lumière et c'est clair que c'est un spectacle totalement intégré et composé de tous ces éléments-là. C'est certainement leur plus belle réussite.